Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment improviser facilement sur un 2-5-1 en tonalité majeure et en utilisant la gamme altérée sur le 5e degré. Et là, vous vous dites peut-être, ah, la gamme altérée, mais ça va être très compliqué. Eh bien, non, pas du tout, parce qu'avec l'astuce que je vais vous montrer, vous allez voir que ça va être tout de suite beaucoup plus facile. Et pour nous aider dans cette démarche, eh bien, on va utiliser le 12 Assistant. Mais rassurez-vous, nul besoin d'avoir le 12 Assistant pour suivre cette vidéo. De toute manière, je vais montrer à l'écran tous les diagrammes et je vais vous expliquer en même temps. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitare. Alors cette vidéo est un petit peu la suite de la vidéo précédente que j'avais faite en utilisant le 12 Assistant. Et vous allez voir qu'on va utiliser la même technique, c'est-à-dire associer et connecter un accord à une gamme. Et pour jouer notre gamme altérée, bien vous allez voir que avec cette technique, ça va être beaucoup plus simple. Alors c'est parti, on va jouer sur un 2-5-1 dans une tonalité de La majeur. Donc notre 2-5-1, il va être constitué des accords suivants. On va avoir un Si mineur 7. Ça, c'est mon deuxième degré. Ensuite, je vais avoir un Mi 7. Là, c'est un Mi 7 qu'on va un peu tordre. On va lui donner un peu plus de dissonance pour pouvoir jouer par-dessus une gamme altérée. En l'occurrence, j'ai choisi de jouer un Mi 7 avec une neuvième augmentée. Et ensuite, notre premier degré, La majeur 7. Alors le concept, comme je vous l'ai dit, ça va être d'associer, de connecter ces accords à une gamme. Alors pas une gamme complète, mais à des fragments de gamme. Alors dans un premier temps, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo que j'ai faite sur ce sujet, eh bien je vous encourage d'abord à aller la regarder. Alors pour improviser sur ce 2-5-1, eh bien on va utiliser juste deux gammes. Puisque nous sommes dans une tonalité de La majeur, eh bien on va utiliser la gamme de La majeur. Ça semble logique. Hein, il n'y a pas de piège jusqu'à présent. Mais pour faciliter la tâche, je ne vais pas devoir apprendre l'intégralité de la gamme de La majeur sur tout le manche. Je vais juste essayer de connecter des petits fragments de gamme de La majeur aux accords que j'ai. Donc ici, je commence sur mon deuxième degré, le Si mineur 7. Je vais pas me casser la tête, je suis en La majeur. Sur ce Si mineur 7, je vais jouer dans ma gamme de La majeur. Et le but, ça va être de connecter cette position d'accord, donc de Si mineur 7, position assez simple pour ce type d'accord, un fragment de gamme de La majeur, mais je vais uniquement me concentrer sur les trois cordes aiguës. Par exemple, je vais pouvoir jouer ceci. On va voir dans le 12 après comment on peut facilement visualiser ce fragment de gamme. Je passe sur mon accord du 5e degré, celui-là il est un peu particulier, vous allez voir qu'on va utiliser une autre gamme. Pour l'accord du 1er degré, mon La majeur 7, eh bien, je vais faire exactement le même principe. Je vais partir de cette position de l'accord de La majeur 7, encore une fois une position assez simple que peut-être vous connaissez déjà, et je vais lui associer ce fragment de gamme. Jusqu'à présent, rien de compliqué. Je suis en La majeur, j'utilise la gamme de La majeur sur le deuxième degré et sur le premier degré. Juste, je fais en sorte de les connecter à la position d'accord que j'ai. Maintenant, pour le cinquième degré, cet accord de Mi 7 dièse 9, je vais utiliser la gamme altérée, non pas sur La, mais cette fois-ci sur Mi. Donc, je vais utiliser la gamme de Mi altérée. Là encore une fois, très souvent quand on est face à ce genre de gamme, on se dit oh là là, mais je dois apprendre des tas de positions, je dois apprendre la gamme de long en large et en travers. Non, là vraiment, on va se focaliser sur une zone du manche et encore une fois, une zone et un fragment de la gamme qu'on va associer à notre position d'accord. Donc à chaque fois, je visualise un accord et un bout de gamme. Et ici pour mon accord Mi 7 dièse 9, je fais cette position-là. Position que vous connaissez déjà probablement si vous avez joué déjà dans votre vie un morceau de Jimi Hendrix. Donc je vais associer cette position à ce fragment de gamme. Et là, je vais me simplifier encore plus la tâche. Je ne vais jouer que sur les cordes de Si et de Mi. Alors on va voir tout de suite dans le 12 comment associer ces positions d'accord à ces gammes.
Alors nous voici désormais dans le 12 assistant. Donc comme je vous l'ai dit, on est en La majeur, donc j'ai sélectionné dans le 12 ma gamme de La majeur. Maintenant, une fois que je suis ici, je vais d'abord dans un premier temps afficher les degrés d'harmonisation de ma gamme. Et je clique ici, et j'ai ici, vous voyez, tous les degrés qui apparaissent. Pour mon premier accord, eh bien, je vais choisir le deuxième degré, et si je passe sur le deuxième degré, vous voyez qu'en dessous, j'ai le choix des types d'accords que je peux sélectionner. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est le mineur 7, donc le Si mineur 7. Je clique, et au-dessus, j'ai plein de positions de Si mineur 7 que je peux jouer. Alors, je vais trouver dans toute cette proposition l'accord qui m'intéresse. Il est là, voilà, c'est celui-ci. Je clique juste sur la dernière icône, repérée sur les manches, pour l'afficher sur mon diagramme en dessous. Pour un peu mieux visualiser, eh bien, je peux filtrer certaines zones de mon manche par les positions, soit en 3 notes par corde, soit position cage. Alors moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est cette zone-là que je filtre avec la première position de 3 notes par corde. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je vais me focaliser sur les 3 cordes aiguës. Alors ici, les intervalles que j'ai, c'est par rapport à ma fondamentale là. Si je veux, je peux venir changer les intervalles et mettre juste les notes. Grâce à cette petite icône verte, ici, modifier l'affichage des notes sur le manche. Et je clique jusqu'à avoir le nom des notes qui apparaissent. Donc vous voyez que ici, dans ma position de la corde Si mineur 7, eh bien, je peux jouer sur les cordes de Sol, Si et Mi ce fragment en commençant par le Do dièse. Et je peux jouer donc Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse et Ré. Ensuite, pour mon accord du premier degré, eh bien, je vais venir ici au-dessus du premier degré et je vais choisir l'accord qui m'intéresse, en l'occurrence un La majeur 7. Alors comme précédemment, je vais chercher l'accord qui m'intéresse ici et c'est celui-là. Et je clique ici en bas pour l'afficher sur le manche. Comme précédemment, je vais un peu faire le ménage sur le diagramme en filtrant par position. Ici, la position qui m'intéresse, ça va être celle-là en 3 notes par corde, la position ici numéro 7. Et je vais me focaliser encore une fois sur les cordes de Sol, Si et Mi. Et je vais partir de mon Do dièse, donc la tierce majeure de l'accord. Et je vais pouvoir jouer le fragment de gamme suivant. Donc je vais faire Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si et Do dièse. Alors maintenant, pour mon accord du 5e degré, l'accord 7 dièse 9, je vais employer une note technique pour connecter mon accord à une gamme. Je vais partir de la bibliothèque d'accords dans le 12, et là je vais chercher l'accord qui m'intéresse. C'est un Mi, donc la tonique est Mi, et c'est un accord altéré, et en l'occurrence un accord altéré avec une 9e augmentée. Donc je cherche dans le 12, ici je l'ai, 7 dièse 9, je clique dessus, et comme précédemment, je cherche le diagramme et la position qui m'intéresse. Là, c'est celle-ci. Comment je la connecte à une gamme? Eh bien, je viens cliquer ici sur les 3 petits points, et je viens ensuite cliquer sur « Connecter à une gamme ». Ensuite, le 12 me propose plusieurs choix de gamme dans lesquels se trouve cet accord. Moi, comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui m'intéresse, c'est la gamme altérée, en l'occurrence « Mi altéré ». Et vous l'avez ici, c'est la 2e suggestion. Donc je clique dessus, et vous voyez qu'en dessous, ça m'a affiché le diagramme de la gamme de Mi altéré. Et je retrouve dans ce diagramme l'accord qui m'intéresse de Mi 7 dièse 9. Et comme précédemment, je peux, si je viens sur cette petite icône, afficher le nom des notes. Comme je vous l'ai dit, ici on va simplifier les choses, et on va uniquement jouer un fragment de gamme sur les cordes de Si et de Mi. Et ici, comment je vais connecter ma position de Mi 7 dièse 9 avec mon fragment de gamme? Eh bien, quand je suis ici dans la position de cet accord-là, je vais partir de ma fondamentale sur l'accord de Si à la 5e case que vous avez ici. Donc, je vais partir de Mi. Ensuite, je vais jouer Fa, Sol, La bémol. Ensuite, je viens sur l'accord de Mi jouer Si bémol,
Do et Ré. Une fois que vous avez fait ce travail-là avec ou sans le 12, eh bien vous pouvez comme ça vous amuser déjà dans un premier temps à enchaîner une position d'accord, un fragment mélodique avec les bouts de la gamme. Et je vous encourage vivement à vraiment expérimenter et à essayer de pas simplement de jouer ces fragments comme une gamme, c'est-à-dire note après note, mais vraiment d'essayer d'en faire des mélodies, essayer de répéter des notes, essayer de faire des sauts d'intervalle. Bref, faites-en quelque chose qui soit mélodique et qui chante. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de transposer et de jouer ça dans d'autres tonalités. Par exemple, en Ré majeur, je vais avoir Mi mineur 7, La 7 dièse 9 et Ré majeur 7. Et ici, avec mes positions d'accord, eh bien je vais visualiser mes fragments de gamme. En Sol majeur, par exemple. Etc. Essayez vraiment de le faire partout et dans toutes les tonalités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous servira dans votre pratique. Si vous voulez en savoir davantage sur le 12 Assistant, eh bien je vous encourage à cliquer sur le lien que vous allez trouver en description. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire également un tour sur le site internet moderneguitaronline.com sur lequel vous pourrez télécharger 5 plans pour maîtriser la gamme pentatonique. Et vous pouvez également aller vous abonner au profil Instagram de Moderne Guitare. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.